Laurent Mallet est si discret qu'il évoque sa carrière comme une parenthèse, et pourtant son parcours est brillant. Émaillé de noms comme Demi, Lauzet, Comancini, Fassbinder, Vaïda. Votre livre, En attendant la suite, est un hommage émouvant à votre mère, Florence. Elle n'était pas actrice, mais vous a donné le goût de la comédie. Qu'est-ce qu'elle pensait de votre métier ? C'est toujours difficile pour une mère de voir partir ses enfants dans un univers aussi flou que le monde artistique, hein, d'une manière générale. Simplement, quand on dit à ses parents « je voudrais être comédien », ils disent « mon Dieu, pitié, pas ça, mais... » Bon, elle, elle avait vécu avec un metteur en scène, avec Norbert Carbonneau. On a connu ce... Quand je dis « on », je parle de mon frère et moi, ce milieu-là, à l'âge de 7 ans. On y a grandi jusqu'à l'âge de 13 ans, assez régulièrement, des gens du métier passaient dans le midi à la Bastide ou à Paris... pour parler de films avec Carbonneau, et donc ma mère était la femme d'un metteur en scène. On a découvert le cinéma grâce à Carbonneau, donc il nous a éduqués sur ce plan-là. Et c'est effectivement, je lui dois le fait d'être ici. Et nous, on était les gamins qui circulaient entre les pattes comme ça des gens du métier. Et cette sensibilisation, au bout d'un moment, ça coulait de source pour moi. Ce qui n'était pas le cas de mon frère d'ailleurs, parce que moi, j'ai, vers 12-13 ans, j'ai commencé à manifester clairement l'envie de faire ce métier. D'abord parce que j'avais été sur les tournages de Carbonneau, et puis je me souviens qu'en fait, il y a une chose qui s'est déclenchée, je crois que c'était... J'avais été sur les Champs-Élysées, au Triomphe, le cinéma Le Triomphe, et j'avais vu un film avec Jean Marais, dans une série Les Fantomas. Puis j'ai terminé mes études, j'ai passé mon bac, et après je suis rentré dans une école de théâtre, avec la bénédiction de ma mère. J'ai démarré par le cours Florent, comme beaucoup de comédiens de ma génération. Et puis j'ai préparé la rue Blanche. Et puis j'ai commencé à travailler après assez vite pour des télévisions. Donc je demandais des congés à mon directeur qui était M. Jean Meyer, directeur du Théâtre des Célestins à l'époque, grand Jean Meyer. Et j'avais pour professeur Yves Gasque, Teddy Bilis et Gérard Vergès. Voilà, que j'ai retrouvé Gérard après par la suite. Et donc, les permissions de sortie à l'école de la rue Blanche étaient très mal vues parce qu'ils pensaient qu'on avait d'abord à apprendre notre métier avant de le faire, ce qui n'était pas forcément mon avis. Je trouvais qu'on pouvait aussi apprendre en le faisant. Je me disais, je leur disais, mais moi je me fous de savoir comment il faut jouer Hippolyte. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il faut le jouer. La guerre de Troie, c'était chez Jean Meyer, justement, au Théâtre des Célestins. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur le spectacle, c'était Jacques Monclerc qui l'avait mis en scène. Mais la seule chose dont je me souviens, et j'en parle aujourd'hui parce qu'elle est morte il y a très peu de temps, c'est Claude Jade. Et Claude Jade jouait Hélène de Troie, et moi je jouais le petit Troïlus. Troïlus, c'est le frère de Paris, il y a Hector, Paris et Troïlus. Et le jeune Troïlus est désespérément amoureux d'Hélène de Troie. Et moi, j'étais très amoureux de Claude Jade, évidemment. Bon, pas seulement à cause des films de Truffaut, mais parce qu'elle avait cette petite fraîcheur, son regard, ça de biche, et tout ça. Je crois que je devais avoir 20 ans. Et à la fin du spectacle, à la fin de la pièce, les portes de la ville de Troyes s'ouvrent sur Hélène qui embrasse Troïlus. Et c'était en haut des escaliers, comme ça. Et je me souviens, à la fin du spectacle, j'attendais que ça, quoi. Bon, voilà, c'est tendre, un petit souvenir de jeune comédien. Il y avait effectivement deux personnages dans le film qui étaient des affreux fils de famille allemands qui vivaient dans une super propriété à l'Edenrock et qui martyrisaient leur père, qui le brûlait avec des cigarettes, qui martyrisaient leur mère, qui étaient des sales gosses pourris, qui vendaient de la drogue et tout ça. On a donc été engagés, mon frère et moi. Alors, la costumière nous avait fait des costumes qui étaient très sages et tout ça. Et puis nous, on a proposé les costumes à Delon et à José Giovanni, qui serait l'histoire de deux types qui auraient vu Orange Mécanique et qui auraient très très mal assimilé le film. Alors, on s'était mis des écharpes, on s'était fait des shorts blancs avec des coquilles, avec des bas qui remontaient jusque là. Et le souvenir que j'ai surtout de ce film, c'est que c'était en mars 76, on tournait de nuit et dans cette villa de l'Edenrock, et
Delon arrive, il sort de la voiture, sombre, en larmes, il s'engouffre dans la maison, il monte à l'étage, il avait une loge, il claque la porte, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Visconti est mort. Le tournage commençait vers 21h, il s'est maquillé, habillé, il est descendu. On avait une scène de bagarre avec Delon. On lui cassait une chaise sur le dos, il nous prenait, il nous envoyait valdinguer au bout de la pièce et tout ça. Donc il y avait une chorégraphie avec des cascadeurs, il fallait que ce soit super précis. Bon, puis c'était Delon. Et il a été vraiment formidable ce qui est arrivé. Il a fait son truc nickel chrome. On a terminé à 4h du matin, il est parti à l'aéroport de Nice, il est parti pour Rome veiller son ami Visconti. En fait, on peut dire que le végétarien est arrivé très vite. Est-ce que c'était basé sur votre physique ? Mon physique, c'était plutôt un handicap. Pourquoi ? Parce que dans les années 77-80, les physiques n'étaient pas du tout aux physiques claires. Ils étaient aux physiques sombres. Et il valait mieux avoir eu une enfance difficile plutôt qu'une enfance heureuse. En gros, il fallait venir des quartiers. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui ont formé des légendes autour de ça. Ils sont tous pas issus des milieux difficiles, comme on dit aujourd'hui. Mais ils ont tous cultivé le côté, Piala, petite frappe, tout ça. Je critique pas. Moi, j'ai eu une belle enfance et elle m'a nourri, elle m'a porté. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, je suis encore debout aujourd'hui. Et puis, je suis stable, même si ce métier fait plein de périodes noires. J'ai gardé quelque chose de clair en moi. Moi, j'ai vécu pendant deux, trois ans, cette période où, entre 9 et 13 ans, un enfant vit comme ça dans les collines, à courir les pièges, les lièvres, les trucs. C'est ce qu'on dit dans Pagnol, en gros, sans folklorisme, sans régionalisme, c'est vraiment ça. Et en allant à l'école du village. J'ai trouvé un équilibre formidable dans cette nature, dans cette campagne, dans cette région, dans ces lumières, dans les couleurs, dans les odeurs. J'y retourne dès que je peux, parce que c'est comme ça que je me... ressources et voilà. Haro, le film, racontait le parcours d'un jeune sauvage qui vivait dans les montagnes du Cantal et qui vivait en toute liberté, à cheval, à moitié nu, comme ça, et vraiment dans les années 20. Et ce type, il se trouve que ce type se fait arrêter pour une broutille, un vol de poule, et qu'on s'aperçoit qu'il ne figure pas sur le registre d'état civil. Donc il a échappé à la conscription de 14-18. Donc il est considéré comme déserteur, il est jugé et condamné. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui n'existe pas. C'est un peu une sorte de Gaspard Hauser français. Et c'est un personnage très fort. Et Gilles me l'a donné, mais après avoir fait des essais. Il faut se trouver que je montais très très bien à cheval. Ça a aidé aussi, parce que le type monte à cru tout le temps. Et le film a été sélectionné à Perspective à Cannes. Il a été bien reçu. Je me souviens, Jean-Louis Bory, qui était un critique important de l'époque, avait fait un très beau papier dans son... Je crois que c'était l'Express ou le Nouvel Obs. Grâce à ça, il y a eu un petit coup de projecteur, mais le végétarien n'est pas arrivé avec ça. C'est le film, après, il est sorti dans des conditions difficiles, on a été collé les affiches, le film n'a pas été un succès. J'ai rencontré Lauzet chez lui, rue du Dragon. Il préparait un film qui avait été écrit par Georges Semprin, qui s'appelait Les routes du Sud. Le film racontait l'histoire de Semprin, en fait. C'était un petit peu le deuxième volet de La guerre est finie, qui avait été fait par René. Le film racontait l'histoire d'un scénariste exilé, espagnol, qui vivait donc en France et qui vivait de sa plume, mais qui avait toujours des contacts avec l'Espagne pour des opérations clandestines et donc qui était en mission. L'histoire de Semprin, quoi. Jean Larrea, le personnage s'appelait. C'était Montand qui jouait... le personnage de Larrea. Et moi, je jouais Laurent Larrea, le fils de Montand. Et il y avait Miu Miu aussi qui était ma compagne, avec laquelle Montand avait une relation un peu ambiguë. Mais Lauzet, il a été. Pour moi, c'était. Physiquement, il me faisait penser à Sitting Bull. C'est une espèce de colosse avec une chevelure blanche, comme ça. Énorme, ça, bon, maestro. Mais bon, j'avais vu Le Messager, j'avais vu. J'avais vu Accident, j'avais vu Monsieur Klein, ça a été fait avant, bien sûr, oui. Je savais qu'il a eu une palme à Cannes, mais bon. Mais en France, c'était parce qu'il a navigué entre l'Angleterre,
les États... Oui, il était américain, mais il a quitté les États-Unis à cause du macartisme. Il est arrivé en France, il a travaillé en Italie sous un prête-nom, en Angleterre, et puis ensuite en France. Après, il a fait la truite. Mais, les routes du Sud, en fait, je pense que Lozé, lui, il avait plus envie de raconter la relation conflictuelle des générations entre le père et le fils. Alors que Montand avait plus envie de raconter le rapport politique via Semprin, de cet exilé espagnol qui s'engage toujours dans la lutte et qui, je me souviens, Montand me disait, tu sais, fiston, enfin le personnage hein, de Montand, tu sais, fiston, on a perdu nos certitudes, mais on a gardé nos illusions. Et c'était un peu ça, cette génération de post-communistes qui avait ensuite, après la Tchécoslovaquie, tout ça, avait réalisé que c'était pas finalement l'avenir du monde et que bah, qu'ils ont été blessés, et donc ils avaient effectivement perdu des certitudes, mais gardaient des illusions. Alors le film avait un côté un peu formel, au niveau dogmatique, au niveau... Alors, les répliques étaient comme ça, parfois un peu comme littéraires, quoi, en fait. Et quand le film est sorti, il y a eu en plus un problème de règlement de compte interposé par la presse qui a créé un climat pourri au moment de la sortie du film, parce que Montand avait fait Lozé plutôt avait fait un papier dans le François et Lozé avait dit Montand est un acteur difficile. Difficile, c'est pas une critique, ça voulait dire difficile, engagé, exigeant, mais pas forcément difficile. Le tournage s'était plutôt bien passé et Montand l'a très mal pris. Alors il a répondu par presse interposée à Lozé et donc il y a eu une sorte de petit scandale autour de la sortie du film entre Montand et Lozé qui a envenimé la sortie, et ça, ça porte vraiment préjudice à un film. Mais donc, alors, le film a été considéré comme un Lozé raté. Mais c'est effectivement, je le dis aussi dans mon petit bouquin, c'est que j'ai toujours pensé qu'il valait mieux participer à un chef-d'œuvre raté qu'à un mauvais film réussi. Vous tournez avec Chabrol, Les Liens du Sang, c'est pas non plus considéré comme le meilleur Chabrol. C'est un film qui a été tourné à Montréal en 77. Qui est un policier, c'est effectivement pas non plus le meilleur Chabrol, mais moi j'aime beaucoup Chabrol parce qu'il a, un traitement tellement laconique parfois, sur des sujets dramatiques. Et... Alors c'est vrai qu'à l'époque j'ai un peu raté la rencontre avec Chabrol, et je le regrette d'ailleurs, je lui ai dit à Claude quand je l'ai revu, parce que j'avais besoin qu'on me dirige, j'avais besoin qu'on m'accompagne, qu'on m'aide, à savoir où aller. Et Claude est quelqu'un qui laisse faire, qui prend quand ça l'intéresse, qui met les gens en situation, les acteurs en situation d'eux. Alors je sais qu'il y a des rencontres fabuleuses comme Huppert, Chabrol, bon, je ne parle pas de Stéphane et Claude Chabrol, mais bon, moi j'ai un peu raté cette rencontre avec Chabrol. Ce qui m'avait fasciné quand même à l'époque du tournage, c'est la rencontre avec Sutherland. Je me souviens, Donald Sutherland venait tourner le Casanova de Fellini. Il est immense, plus un géant. Et donc, je me souviens d'avoir rencontré ce monsieur arrivé avec des cheveux blonds, bouclés, comme ça. Il sortait de Casanova, quoi. Il est arrivé, masque, comme ça, avec ce profil. Et le lendemain, je vois descendre du même escalier un type filiforme, avec des tout petits cheveux permanentés, poivre et sel, méconnaissable. Donc, il avait, dans la nuit, il avait basculé, comme ça, sur un nouveau personnage. L'homme en colère. Donc Ventura avait vraiment son mot à dire hein, sur la distribution pour les comédiens. Et je me souviens avoir fait des essais pour le film, et je ne ressemblais pas du tout au fils de Lino Ventura. Hein, bon. À la sortie de la projection des essais, Claude Pinotto avait remis à Lino les noms des acteurs, et celui qui avait le plus de croix, finalement, prenait le rôle. Donc c'est moi qui ai eu le plus de croix, d'après ce qu'on m'a dit. Donc on m'a engagé pour le rôle. À partir de là, on m'a envoyé à Montréal, on m'a teint les cheveux en noir, je me suis laissé pousser une barbe, c'était l'histoire d'un garçon qui vivait en marge, qui passait de la drogue, et on informait un jour un commandant de l'aviation que son fils avait été retrouvé mort à Montréal, et ce commandant qui était Lino arrivait à Montréal pour reconnaître à la morgue ce fils décédé, il se trouvait que c'était pas lui, et Lino partait à la recherche de son fils, à travers la jungle de la ville canadienne, enfin de Montréal. Je finissais par le retrouver. Et il y avait aussi Angie Dickinson dans le film, qui jouait le personnage féminin. Donc, et c'est vrai que leur relation avec Lino n'était pas simple. Hein. C'était,
C'est quelqu'un d'assez fermé, d'assez assez monolithique. Et le tournage avait très mal commencé pour moi parce qu'on a commencé dans les Laurentides par un dîner de production où il y avait toute l'équipe, plus une table à côté où il y avait les producteurs canadiens et français, Lino Ventura, Claude Pinoteau, et puis toute l'équipe au fond. Alors à un moment, on fait venez. Venez à la table principale, commandant de vaisseau. J'arrive et Lino était là et Claude dit, bon, écoute Lino, pour la scène de demain, la scène de bagarre avec ton fils. Et Lino, sans me regarder, il dit, de toute façon, je ne peux pas me battre avec lui, parce que si je me bats avec lui, il traverse la pièce et c'est fini, donc il n'y a pas de scène. Et alors moi, je dis comme ça, du haut de mes 22 ans, mais Lino, vous savez, ce n'est pas une bagarre de saloon, hein. C'est une bagarre entre un père et un fils, ça ne se passe pas comme dans un saloon. C'est dur entre un père et un fils. Donc ça va bien se passer. Silence de mort à la table, je m'en vais. Et le lendemain, on se retrouve sur les montagnes des Laurentides, cascadeur, réglage de la bagarre, on démarre la répétition, j'arrive, je me retourne, j'entends « poc ». Pardon Lino, excuse-moi. Pas fait exprès, non. Masque. Scène, moteur, et là, Lino m'attrape. Alors là, je ne touche pas, hein, ça passe à côté. Et lui, non, il m'envoie une châtaigne, avec la main fermée, bon, qui m'a touché la tempe, ça. Et j'ai vraiment volé, alors. Je suis parti, je suis mis 3 mètres en arrière, couché raide, mais avec un truc comme ça, là, un œuf de pigeon, et là, j'entends. Petit con ! J'ai jamais tapé quelqu'un, j'ai jamais frappé personne quand j'ai tourné une séquence de bagarre, il faut que ce soit avec toi, t'es un petit con, tu t'es approché. Je dis, pardon Lino, pardon, pardon, il y avait toute l'équipe, personne n'osait l'ouvrir. Silence de ça s'est très 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 mal démarré. Puis à la fin, ça s'est arrangé avec Lino quand même. Raoul, s'était lancé dans ce projet, c'est un bouquin d'un type qui s'appelait Sergent. Bon, là, les jours sur Calvésis, c'est les événements qui ont été liés aux Zaïre sous Giscard, où Giscard avait envoyé des parachutistes pour libérer des ressortissants français qui étaient aux prises avec une rébellion interne entre le Katanga. Et donc, le film a démarré à Kourou. On a tourné avec le 3e régiment aéroporté de Kourou, le 3e REP, qui a fourni les hommes, les paras, parce que c'était les vrais paras. Le climat a été assez étrange quand même, parce que se retrouver à Kourou avec le 3e REP, le monde militaire, c'était assez bizarre quand même. Avec Annie Girardot. Oui. Alors. Il y a deux films. Deux films, Le cœur à l'envers. Ouais. Et Bobo Jaco, alors on se demandait si c'était ces deux films, c'était la chronique de votre histoire d'amour avec Annie Girardot. Bah Annie, je l'aime, ah oui ça je l'aime, elle me bouleverse encore et toujours. Je l'ai vue dernièrement tourner en Russie sur des sujets avec ses problèmes qu'elle a, des problèmes de santé. Je trouve ça admirable et j'ai un immense respect pour la comédienne qu'elle est toujours, et pour la femme. L'artiste, enfin, c'est une femme de cœur, c'est une femme d'amour. Oui, donc il n'y a que de l'amour autour d'Annie Girardot, je crois. Moi, je me suis retrouvé avec l'aventure Jaco, Bobo Jaco, qui a été tourné à Bruxelles. Bon, c'est une aventure, pour moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film, parce qu'on est parti s'installer dans une maison à Bruxelles, une grande maison familiale. Tout le monde, toutes les portes étaient ouvertes, on partageait les salles de bain, on a fait le film avec peu d'argent. C'était Dorfman qui produisait à l'époque, Jacques, hein, le fils, et Laurent Méniel. Et on a fait ce film un peu à l'arrache, comme on dit, à Bruxelles. Et c'était un film d'énergie, un film de jeunesse. C'est un petit côté Les Valseuses que j'avais aimé, en tout cas c'est ce que j'avais espéré y trouver, c'est ce que j'y ai trouvé d'ailleurs. Et puis bon, alors voilà, ça c'était... Il y avait Annie qui était là, qui était un peu la marraine. Elle s'occupait de tout le monde, elle faisait la bouffe, elle apportait, elle faisait les spaghettis le soir, elle s'occupait aussi des problèmes de production.
Et puis elle jouait la comédie aussi, mais bon, c'était plus une participation de la part d'Annie dans ce film. Hein. Elle était, il y avait Evelyne Bouix aussi, par exemple, dans le film. Il y avait Jean-Claude Brialy. Et puis après, on s'est retrouvé avec Annie sur un autre film. Et Jean Lynchric, qui est devenu producteur depuis, avec qui j'ai fait pas mal de films ensuite, a proposé, s'est dit, bah écoutez, vu cette rencontre, ce serait bien de la prolonger. Qu'est-ce que t'en penses, Annie? Annie, bah, dit, bah ouais, le petit môme, là, le Laurent, ouais, ouais, très bien, ça me va, pourquoi pas, on va essayer de trouver un sujet sur... On a trouvé ce sujet sur le rapport mère-fils. Mais je garde un très beau souvenir du travail avec Annie. C'est une actrice en liberté et qui me faisait vraiment confiance. Et donc, elle m'a mis à part égale avec elle. Donc, c'est quelqu'un de très simple, quoi. L'aventure du Paradis sur Terre, et c'était une pièce triangulaire, très ambiguë, parce que le personnage que j'avais est un personnage qui rentre dans cette maison familiale, qui est la maison de sa mère, et qui finit par un peu se travestir en sa mère. Il finit par mettre ses robes, ses bas, ses robes de chambre, ses peignoirs et tout. Et un peu du genre Anthony Perkins dans Psychose. Alors bon, c'est très, ouais, très Tennessee Williams, mais c'est pas cette ambiguïté-là qui m'a séduit, c'était l'envie de travailler avec Pierre Roman et Boringer. À l'époque, Richard, c'était juste au moment de la sortie de Diva. Alors, bon, Richard démarrait, quoi. Enfin, on commençait à parler de lui. Donc, c'était les tout débuts de Boringer. Je parle pas trop longtemps, là, non? Je vais reprendre. Oh, oui. Ah, non, bon. Après, il y a une expérience qui vous entraîne au Festival de Cannes, avec Invitation Voyage, de Peter Delmonte. En 82. Où vous jouez en travesti. Où vous jouez en travesti. Enfin, vous jouez le rôle de votre sœur. Si vous enchaînez dire. Avec... Non, non, non. Non. Ben vous jouez non, non. C'est pourquoi vous voulez absolument que je joue le rôle de votre sœur. Non, mais c'est un fantasme d'acteur, c'est clair et net, mais sauf que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y avait un désir de transgression chez vous? Non, non, pas du tout, non. Non, non. L'histoire de l'invitation au voyage, elle est... Si je parle trop longtemps, il faut me faire non, comme ça. Hein. Ça parce que je vais me lancer sur des sujets qui sont, moi, qui me ramènent à des choses fortes. Donc mais je c'est suis, intéressant, bon. Claude Nedjar, le producteur, l'a proposé à un metteur en scène italien qui s'appelle Peter Delmonte, qui avait fait des films beaucoup plus raffinés, beaucoup plus, qui était l'assistant de Rossellini, qui était un type qui avait fait vraiment Irène avec Alain Cuny. Bon, c'était un type. Et il a un petit peu transgressé et transposé le film dans une dimension poétique. C'est Bruno Nuitaine qui a fait la lumière à l'époque où Bruno Nuitaine était encore chef opérateur avant qu'il fasse Camille Claudel. Et Bruno, d'ailleurs, a eu à Cannes cette année-là une palme qui s'appelle le prix de la meilleure contribution artistique, qui, contrairement à ce qu'on veut bien dire, n'est pas un prix de consolation, qui est un prix qui salue un chef opérateur. Et je trouve qu'un chef opérateur, c'est pas un élément, secondaire sur un film, ou combien, surtout sur ce genre de film. Bref. Donc, Nedjar a parié sur Delmonte, et le film s'est tourné. Donc, alors, il y avait effectivement Mario Adorf, Aurore Clément, qui étaient des rencontres successives, et puis il y avait une sœur, une fille qui s'appelait Nina Scott, qui jouait ma sœur jumelle. Et donc, à la fin, en fait, le film est construit en flashback. La fille est chanteuse de rock, elle disparaît dans un accident électrocuté, et le frère décide de charger le corps de la sœur dans une étude contrebasse, mais l'étude contrebasse sur la voiture, et part vers le sud, et fait des rencontres, Aurore Clément, Mario Adorf, c'est le dernier film de Raymond Bussière, dernière apparition de Raymond Bussière. Et puis à la fin de ce voyage, le personnage décide, se rend compte que la sœur est en train de se décomposer, tout simplement, dans l'étude de la contrebasse, qui est au-dessus de la voiture, il brûle le corps de sa sœur, et la dernière image du film, on voit le type en train de se raser les jambes, et puis on voit une silhouette monté sur un bateau de dos et le bateau appareillé, voilà, donc c'est tout, donc c'est pas vraiment de travestissement, hein. Mais en revanche, ce sont des rôles fantasmatiques pour les acteurs. Et vous enchaînez avec Querelle, le film culte de Fassbinder. Fassbinder a préparé le film en 3 semaines et on a commencé à tourner en fin février, début mars 82 à Berlin, dans les studios de la UFA, c'était hallucinant. Et on s'est donc... Alors moi, j'ai été engagé pour des raisons obscures, en fait, qui sont assez pénalisantes pour mon frère jumeau, Pierre, parce qu'en fait, Fassbinder avait vu un film que Pierre avait tourné avec Michel Piccoli qui s'appelait « La confusion des sentiments » de Stefan Zweig. Et sur l'histoire de l'ambiguïté, enfin bon, du professeur et de son élève. Donc,
Et Fassbinder avait trouvé cet acteur intéressant et il avait fait appeler son agent, qui était Georges Baume à l'époque, et en disant, voilà, je veux cet acteur. Et Georges Baume, pour des raisons obscures, a dit, Pierre Mallet n'est pas libre. Mais si vous voulez, il y a Laurent. Donc je me suis retrouvé à Berlin. Et je suis arrivé à Berlin, je me souviens, à l'époque, je venais de sortir de l'invitation au voyage. Alors j'avais gardé mes costumes d'invitation au voyage, j'étais assez rock. Le personnage était pantalon noir, Santiago, Teddy Boy avec blouson perfecto, noir, black, tu vois, un peu cuir, quoi. Je me suis dit, tiens, pour Berlin, c'est peut-être pas mal. Je déboule à l'aéroport, on m'amène directement sur le tournage et je vois cette espèce de cette poupe du bateau de Querelle, enfin le Vengeur, je crois qu'il s'appelle, le bateau, dans ces studios immenses de la Oufa, qui a été complètement occupé par plusieurs décors. Donc le film s'est tourné intégralement pendant 25 jours de tournage, un film en Panavision de 2h30, tiré d'un livre excessivement touffu, Querelle de Brest, de Jean Genet, bon. Et tout s'est tourné donc dans ces décors, en sous-sol, avec... Brest avait été reconstitué en carton-pâte, les phares de Brest, du mot de Brest, étaient d'immenses phallus en carton-pâte. Enfin, c'était... Alors, Jeanne Moreau jouait Madame Lisiane, la patronne du bordel. Il y avait Brad Davis, bien sûr, qui jouait Querelle, qui jouait Brad Davis, l'acteur de Midnight Express, qui jouait Querelle. Et c'est encore une histoire de jumeaux, hein, Querelle. Hein, c'est l'histoire de jumeaux, Querelle et son frère. Hein. Sauf que là, Fassbinder avait fait une transgression parce que le frère ne ressemblait pas justement à Querelle, mais c'était une sorte de jeu de miroir, un jeu de rôle. Et moi, je jouais l'amant du tueur, du meurtrier, qui dans la mythologie de Genet, c'est quand même le crime étant par excellence l'acte d'amour. Hein. C'est l'acte d'amour par excellence, c'est la trahison et le crime. C'est une sorte de Saint-Jean Genet, quoi. Enfin bon, c'est une sorte de vision d'amour, hein, le crime. Donc, je me suis retrouvé sur ce tournage. Alors, Fassbinder ne parlait pas à ses acteurs, et ne les rencontrait pas avant le premier jour du tournage. On s'est retrouvé au début du tournage, et je me souviens de l'histoire de Jeanne Moreau est assez hallucinante, parce qu'elle était dans sa loge, l'assistant est venu prévenir Jeanne Moreau, en disant, Madame Moreau, écoutez, Rainer a changé d'avis, finalement, par rapport à la séquence qui est prévue aujourd'hui, on ne va pas tourner cette séquence. Il a écrit une autre séquence, c'est une scène de passion, c'est une scène où vous allez jouer le rôle de la Vierge Marie. Alors on va vous apporter une aube bleue et vous allez marcher à côté du Christ. Alors quand on voit la scène du film, on se rend compte que ce n'était pas vraiment une passion conventionnelle puisque le Christ est joué par un légionnaire qui porte sa croix, évidemment, comme tous les Christs qui se respectent. Et puis il y a Jeanne Moreau qui marche derrière, comme ça, en aube bleue. Bon, enfin, ce n'est pas l'Immaculée Conception non plus, hein. Et surtout qu'elle joue la patronne du bordel. Donc, et il y a des évêques qui sont en jartel et qui font du French cancan, comme ça. C'est hallucinant. Ça. Et alors Moreau, elle n'a rien dit. Elle dit, bon, bah, très bien. Et alors moi, j'étais là tout le temps sur le tournage parce que j'ai trouvé ça tellement fascinant, l'univers de Fassbinder. Il vivait à l'époque avec Gunther Kaufmann, l'acteur qui joue le patron, le mari de Madame Lisiane, le gros black dans le bordel, dans Querelle. Et ils avaient des relations très tumultueuses. Et alors, par exemple, Rainer arrivait le matin avec la musique portable sur l'épaule. Et alors, il avait une chanson de rock, heavy metal, qui s'appelait « I am a German nigger ». Alors, il mettait ça à fond les ballons pour faire chier son pote Gunther. Et voilà, il arrivait avec des cravates. Il achetait des cravates en léopard. Il l'a acheté pour toute l'équipe. Il fallait que toute l'équipe porte des cravates en léopard pendant toute la journée. Et voilà, bon, il y avait un mec aussi qui était uniquement là pour remplir son baron de bière. En fait, c'était pas vraiment de la bière, c'était moitié ginger ale et moitié GB. Donc il y avait un mec qui était là juste pour faire le refill du. C'était hallucinant. Et tous ses potes étaient venus tourner sur le film, le metteur en scène qui. Enfin bon, c'était un univers complètement dément. Rencontrer Fassbinder, c'était phénoménal, mais parce qu'il est mort d'abord, il est mort 2 mois après. C'était son dernier film. Je devais faire un autre film après avec Fassbinder, parce que c'est tellement bien passé avec Rainer. Moi, j'étais hors de sa portée, parce que bon, c'est vrai qu'il pouvait être
Il était, c'était quand même un tyran hein, parfois avec, son, avec, avec le groupe hein, de la cour, parce qu'il y avait une cour qui, autour de lui. Mais tous ces gens sont morts en plus, ils sont tous morts. Hein. Brad, Davis, Dieter Schieder, bon, ils sont tous morts du sida, ils sont tous, ça a été une hécatombe. Hein. C'était la 82, c'était la fin du grand mouvement gay, enfin, politiquement fort, triomphant, et c'était le début de la terreur. Hein, donc, et voilà, pour Brad Davis, le film a été, hein, je crois, aux États-Unis très très mal vécu. Moi, je l'ai présenté, le film, à San Francisco avec Brad Davis. Il n'a pas été bien reçu par la communauté homosexuelle à l'époque. Après, avec le temps, le film, finalement, bon, reste un repère, mais je me souviens d'avoir présenté ce film à Castro, au cinéma Le Castro, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le quartier gay de San Francisco, vraiment. Hein. Et je me souviens qu'à la fin du film... ça avait sifflé, les huées, les gens étaient... les mecs, ils n'étaient pas contents qu'on traite un petit peu de ce milieu de cette façon-là. Mais il faut dire qu'il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, pépère. Le tournage de Mocky, comme tous les films de Mocky, c'est toujours un poème quand même. Donc c'est lui qui donne le rythme, et c'est un rythme souvent assez freiné. Donc on a vu des sujets où Mocky court partout. En plus, il jouait dans le film, là, Jean-Pierre, il était inspecteur de police. Donc, dans mon livre, effectivement, en attendant la suite, je parle d'un petit épisode de ce tournage qui était le tournage même du match de football, puisqu'il s'agit donc d'un match, d'un pénalty qui est refusé par un arbitre, et à ce moment-là, une bande de supporters, à la tête de laquelle se trouve Michel Serrault, décide de faire la peau à l'arbitre. Compte tenu des événements qui ont suivi et de ce qu'on voit régulièrement sur les stades, apparemment, ce n'était pas une fiction. Hein. Le tournage avec Mocky était assez surprenant, c'est un drôle de bonhomme. Moi, il m'avait donné une chance, Jean-Pierre, parce que il s'était dit « Oh, mais allez, oh là là, qu'est-ce qu'il va foutre dans cette bande de supporters avec son physique et tout ça, John Premier, oh là là là. Oh, alors, on va te démolir, hein, on va te nettoyer. Alors, tu vas être un peu sourdingue, on va te mettre un petit sonotone, ensuite, on va te mettre une Minerve, tu vas avoir... la tête coincée, ensuite tu vas boiter. Alors dans le film, je fais un Quasimodo comme ça. Moi, j'avais trouvé ça très drôle, et Jean-Pierre m'avait dit, écoute Laurent, amuse-toi, fais-toi plaisir. Donc c'est vrai qu'il m'avait fait, si vous voulez, le cadeau de ce qu'on appelle un contre-emploi, en gros. Et puis Serrault qui était là surtout, Michel Serrault. Moi, j'avais surtout très très envie de tourner avec Sandrine Bonner. J'ai été fasciné par cette jeune actrice. Elle avait à peine 18 ans. Elle était belle comme un cœur, elle était une fraîcheur, une spontanéité. Bon, alors, j'avais envie de faire couple avec elle. C'est vrai que le film a été descendu parce que, à l'époque, je le raconte aussi dans le livre, Sandrine sortait de ce magnifique film d'À nos amours de Piala. Elle était la petite Suzanne et qu'elle était un peu une égérie comme ça d'un film. Et l'idée qu'elle fasse d'autres films, c'était tout d'un coup, c'était une forme d'officialisation d'un projet de carrière qui ne convenait pas apparemment à la critique, et elle a été descendue, et moi avec, d'ailleurs, très très méchamment par des journaux. Voilà. Mais à l'époque, elle avait aussi tourné d'autres films comme Blanche et Marie ou Le meilleur de la vie qui ont été aussi descendus. Alors, il y a la rencontre importante aussi avec Jacques Demy pour Parking, avec Francis Huster, Pierre et Jean Marais. Écoutez, c'était le moment où Jacques était déjà malade. Il avait très envie de faire un film sur le souvenir qu'il avait de Jim Morrison dans les derniers mois. J'ai vu des images, par exemple, de Jim Morrison sur le tournage de Peau d'âne. Il faut le faire. Jacques a voulu un petit peu décliner le thème d'Orphée autour du souvenir de Morrison, avec un Francis Huster, donc chanteur de rock. Il avait flanqué une femme à Francis Huster, Orphée, qui était une actrice japonaise. Parce qu'il avait voulu faire une sorte de clin d'œil à Yoko Ono, la femme de John Lennon. Donc il avait créé un couple un peu comme ça. Et puis il y avait aussi Gérard Klein qui jouait l'impresario. Il y avait effectivement... Alors le film est raté. Mais enfin, encore une fois, je préfère un chef-d'œuvre raté qu'un mauvais film réussi. Bon, parce que les films de Demy, c'est quand même, ça reste à chaque fois un événement. Mon frère a commencé des études d'architecte. Et quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, à avoir une petite reconnaissance, à gagner un peu ma vie,
être un peu indépendant. Il s'est dit, pourquoi pas moi, en gros. Ça n'a pas été simple pour lui, parce que quand ça marchait pour moi, ça ne marchait pas pour lui. Quand ça ne marchait pas pour moi, ça ne marchait pas pour lui non plus. C'est vrai, c'est compliqué. Un acteur, c'est déjà tellement fragile au niveau du signal qu'il émet. Si en plus, on brouille le signal avec quelqu'un qui lui ressemble. Quoi qu'il en soit, on avait toujours décidé de refuser de faire des choses ensemble. On l'a toujours fait d'ailleurs, sauf sur ce film de Jeanne Labrune, La part de l'autre, parce que Jeanne Labrune, dans son scénario, avait vraiment réussi à percer une dimension de la jubilité qui, si vous voulez, qui est généralement traitée en vaudeville dans les scénarios. Il y en a un qui rentre par la fenêtre, l'autre qui sort par la porte, des histoires de gonzesses, des histoires de... Enfin bon, c'est des trucs, c'est vraiment très, très simplifié et c'est très caricatural. Donc là, le film La part de l'autre racontait l'histoire de l'explosion de ce couple gemellaire. C'est un couple gemellaire qui se déchire, qui se sépare au profit d'un couple ordinaire, c'est-à-dire le couple qu'un des jumeaux va former avec une femme, à savoir Christine Boisson. Donc là, c'était une belle aventure. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense que on a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans une relation complice et de proximité qui était aussi du fait de la présence de notre mère, comme je le raconte dans le livre En attendant la suite, à travers l'enfance, l'adolescence, et puis après une adolescence tardive qui a duré jusqu'à une trentaine d'années, avec effectivement des carrières respectives assez riches et assez denses, et puis sans qu'il y ait d'opposition. Et puis la disparition de notre mère, je pense, a sonné le glas de cette union sacrée. Je pense qu'il y a une forme de divorce qui s'est opérée, une forme de sortie d'indivision. Parce que le rapport indivis du couple gemellaire, il est de par nature, il est à la naissance, il est inscrit génétiquement, hein, dans chaque cellule d'un jumeau. Et après, la vie va les séparer. Il y a eu le texte de Bernard-Marie Coltès dans la solitude des champs de coton. Patrice Chéreau avait mis en scène Le combat de nègre et de chien, Key West. Et Coltès a donné ce texte à Patrice en lui disant, écoute, je ne sais pas, ça fait 25 pages, je ne sais pas si c'est montable, si c'est du théâtre ou pas. En 87, Patrice me donne ce texte en me disant, écoute, Laurent, on n'a jamais travaillé ensemble, je ne sais pas ce que... Sur le plan littéraire, c'est prodigieux, mais sur le plan théâtral, je ne sais pas ce que ça peut donner. Voilà, j'ai envie de monter le prochain texte de Bernard. Et je me retrouve avec ce texte faramineux, prodigieux, vertigineux, avec Patrice. C'est oui, tout de suite. Donc on l'a emmené en tournée, on l'a joué en Allemagne, à Barcelone, à Munich, à Berlin, à Bucarest, au TNP à Lyon, à Avignon. Et puis on l'a repris à Paris. Et finalement, Benoît Jacquot, on a fait un film. On a tourné donc en 35 mm. Dans le théâtre de Nanterre. Et moi, je me souviens de répliques entières encore de la pièce. C'était quand même fantastique. Ça démarrait par ce dealer qui sortait, qui disait « Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir. » Et l'autre disait « Non, 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 je ne marche pas à cette heure et en ce lieu, je marche tout court, allant d'un point à un autre, selon une ligne bien droite qui passe à travers vous parce que vous y êtes délibérément placé. » Oh, il n'existe aucun moyen qui permette à qui se rend d'une hauteur à une autre hauteur d'éviter de descendre pour devoir remonter ensuite avec l'absurdité de deux mouvements qui s'annulent et le risque entre les deux d'écraser à chaque pas les déchets jetés par les fenêtres. Plus on habite haut, plus la chute est dure. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est fabuleux, quoi. Donc, c'est un spectacle qui m'a marqué. Je l'ai joué en 87 et je me souviens encore de répliques entières. Les Possédés, ça a été aussi une histoire assez étonnante. Et Vaida était venue en France parce que c'était une coproduction de la Gaumont. Donc il y avait des acteurs polonais. Il y avait Jerzy Radziwiłłowicz, acteur de L'Homme de Marbre, L'Homme de Fer, acteur magnifique, acteur polonais. Et puis, bon, en France, il y avait donc Isabelle Huppert, il y avait Blier, il y avait Rémy Martin, il y avait Lambert Wilson, il y avait Jean-Philippe Écoffé. Je me suis retrouvé en Pologne sans avoir rencontré Vaida. Et moi, j'ai toujours eu une passion pour des rencontres cinématographiques avec des cinéastes de ces dimensions-là, évidemment, comme Vaida, comme Fassbinder, comme Lozé. Mais surtout, s'il y a aussi un univers littéraire derrière. Là, il y avait Dostoïevski. Avec Fassbinder, il y avait Jeunet.
Bon, alors je me suis plongé dans Dostoïevski, et particulièrement dans Les Possédés, Chatov et les démons. Et Vaïda était un metteur en scène de théâtre aussi. Il dirigeait un théâtre à Cracovie, le Star était un théâtre. Et il dirigeait ses acteurs comme on dirigeait ses acteurs de théâtre. Donc on faisait des répétitions la veille des séquences, on parlait de la scène. Et il nous avait laissé libre aussi de rajouter des choses qui nous semblaient oubliées, parce que c'était Jean-Paul Carrière qui a fait l'adaptation. Et dans le bouquin des possédés, j'ai retrouvé des bribes de choses qui me semblaient manquer. Et donc je disais à Vaïda, je dis, André, qu'est-ce que tu penses là? On pourrait, ça me semble intéressant cette idée, tu crois pas qu'elle manque là? Oui, Laurent, essaye, ça va voir. On faisait des essais, ça. Et puis, en plus, le personnage de Kirillov que j'ai dans le film, c'est quand même la pointe du possédé. Alors, ça, plus possédé que ça, tu meurs. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans le film, il meurt. C'est quoi son projet, le projet de Kirillov? C'est le suicide. Le suicide comme acte politique, par excellence. Moi seul, pour la première fois dans l'histoire du monde, je prouve la liberté de l'homme nouvelle. Poum! Voilà. Il y a eu deux aventures qui ont été faites avec Septembre Productions, Jean Nachric, qui sont des aventures de télévision, mais qui sont un peu particulières parce que Jean Nachric avait eu une idée qui a été critiquée, mais que je trouvais bonne, qui était de revisiter des ouvrages littéraires qui avaient donné lieu à des adaptations cinématographiques fameuses. Donc, Monsieur Ripoix, au départ, c'est un livre. C'est un livre d'un auteur qui s'appelle Louis Aymon. Et donc, on s'est retrouvé sur une adaptation qui est, à mon avis, beaucoup plus proche du livre. D'abord parce que c'est l'histoire d'un homme vide, en fait. Et donc, en dehors de cet homme qui aimait les femmes, c'est comme le film avec Denner de Truffaut, quoi. C'est quelqu'un qui a cette obsession. C'est la seule chose qu'il est comme un fauve dès qu'il pas une proie, il la suit. Alors, c'est pathétique. C'est un séducteur à la petite semaine qu'on a tourné à Montréal, en plus en hommage à Louis Aymon, parce que Louis Aymon est mort au Canada, et d'ailleurs est enterré au Canada, et d'ailleurs c'est là où il a écrit Maria Chapdelaine. Donc voilà, je trouve que le film est très cohérent, et, Luc Béraud a fait un très joli portrait de ce petit monsieur, qui est un personnage détestable. Hein. Je trouve que quand il y a des rencontres avec des producteurs, entre un producteur, un acteur, un metteur en scène, enfin bon, et qu'elles se prolongent, c'est plutôt à l'honneur de ces gens-là. Parce que c'est quand même, ça veut dire qu'il y a une vraie confiance et qu'il y a une poursuite, il y a une démarche qui se fabrique. On m'a souvent reproché, effectivement, d'être souvent associé au film de Jean Nachric. Mais je suis désolé, je trouve ça très bien d'avoir une vraie complicité qui vous permet de faire des aventures, des œuvres, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, qui en valent la peine. Alors bon, bah, Le Feu Follet, ça fait partie aussi de la grande collection que Septembre Productions avait entreprise, et adapté du bouquin de Brieux-La Rochelle, cette fois-ci. Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'attaquer à des rôles ça, de référence, mais je trouve que ce sont des paris forts à gagner. Bon, alors, ils sont gagnés pour partie, ils sont perdus pour d'autres, et alors, nobody's perfect. Je suis poète. Où est Arthur Rimbaud? L'homme aux semelles de vent, ça a été alors un grand projet de France 2. Sur un personnage emblématique, mais sur une partie méconnue de la vie d'Arthur Rimbaud, à savoir les 10 dernières années de la vie de Rimbaud, entre 1881 et 1991, date de son retour en France, où il meurt d'un cancer des os à l'hôpital de la Conception à Marseille. Donc c'est l'arrivée de Rimbaud sur la Corne de l'Afrique, à Aden. Ensuite, il devient représentant de commerce pour une maison de café. Il va en Éthiopie, en Abyssinie, il s'installe au Harare, il troque, il monte des affaires de caravane. C'est toute cette partie-là. C'est une partie spectaculaire, c'est une partie d'aventure humaine extraordinaire, où Rimbaud a mis au propre son projet, le projet qu'il écrit dans La Saison en Enfer, quand il dit dans Adieu, ma décision est prise, je quitte l'Europe, l'air marin brûlera mes poumons, j'aurai de l'or. On me reconnaîtra sur mon masque, on me reconnaîtra de ma peau tannée. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. Bon, il est parti se damner, vivre une saison en enfer en Afrique, et c'est ce qu'il a fait.
Et je me dis, on ne peut pas donner un visage à Arthur Rimbaud, ce n'est pas possible. Il appartient à tout le monde. D'abord, tout le monde a une idée de Rimbaud. Bon, on a tous l'idée de l'image, de la photo, de Carja, de Rimbaud, Fontaine à Tours, le coin de table, tout ça. Mais, et puis, on a tous quelque chose en nous de Rimbaud, quoi. Du rebelle, du jeune poète, fulgurant. Voilà, on n'a pas le droit d'y toucher. Et puis, quand je me suis aperçu que c'était vraiment la partie très concrète de sa vie, puisqu'il y avait les correspondances, tous ses partenaires, les correspondances à sa famille, tous les partenaires qu'il a croisés, qui ont témoigné. Que la reconstitution qui avait été faite de ce parcours-là était excessivement concrète. C'était le versant concret de l'homme et qu'il était possible de l'incarner peut-être. Mais au départ, j'avais dit non, je ne le fais pas. Je vais jouer le rôle de Bardet et l'autre, celui qui l'emploie, son employeur. Et puis finalement, Jean m'a convaincu de le faire et je ne regrette pas du tout. Monsieur Bardet, j'ai appris que vous cherchez quelqu'un pour l'île Squarard. Je vous demande de m'engager. Vous étiez où avant d'arriver ici? À Chypre. Vous y avez travaillé? Oui, pour les Anglais. J'étais directeur de chantier. Pourquoi êtes-vous parti? J'étais mal payé. Ah, vous êtes venu en Arabie? Vous avez cherché du travail dans les ports de la mer Rouge? Oui, mais je suis tombé malade à Hodeïda. J'ai eu du mal à arriver jusqu'à Aden. Vous savez parler l'arabe? Entre autres, oui. Vous savez monter à cheval? Oui. Un chameau? Bon. D'accord. Je vous engage. On m'appelle en me disant, Raoul Ruiz veut te voir, il veut te proposer de travailler sur son prochain film. J'étais sidéré, quoi. Qu'il ait repensé à moi, qu'il ait tenu sa parole. D'ailleurs, il n'avait aucune parole, il m'avait dit, on se reverra. Et qu'il l'ait fait, ça, c'est rarissime, parce que ce genre de promesse de Gascon dans ce métier, a priori, c'est plutôt à 99% dans l'autre sens, quoi. Et bon, je monte dans la petite maison de Ruiz, à Belleville. Il me dit, voilà, Laurent, c'est l'histoire d'une famille, tu vois. Et ton personnage, il regarde droit. Et ton frère, il regarde en bas. Tu as compris? Je dis, ouais, Raoul, j'ai compris. Très bien, si tu veux. Droit. D'accord. OK. Et voilà, c'est tout. Et puis, je me suis retrouvé sur son tournage et j'ai vu un homme d'une invention, en liberté totale, dire, faisant des mouvements de caméra, comme ça, comme un magicien, une sorte de avec une rapidité d'exécution. Un peu comme Fassbinder, d'ailleurs. Fassbinder, il faisait qu'une prise. Paf. Séquence, boum boum, deux inserts, tac, terminé, on passait à la séquence suivante. Il est des gens qui ont une telle connaissance de l'appareil, du mouvement, de l'écriture, de la grammaire, du rythme, de la musique, des types tellement cultivés, tout ça. Et puis humainement bien, quoi, des gens de parole, quoi, honnêtes, quoi. Votre petit protégé vient d'éventrer un de ses compagnons de chambrée. Vous voyez, la générosité du commandant ne sert pas à grand-chose. Il retourne au mitard. Les Amants du Bagne, c'est aussi une production septembre. Là, ils ont des projets forts quand même, toujours. Il faut reconnaître que c'est un projet sur la vie d'Albert Londres, et enfin sur une enquête du journaliste Albert Londres, qui est joué par Antoine Decaune, sur les bagnes de Guyane. Et je joue le rôle d'un bagnard, qui est un personnage qui a existé, qui s'appelle Dieudonné, et qui faisait partie de la bande à Bonneau, en fait, qui avait été condamné à 20 ans de bagne. Et donc le personnage trouve ses racines dans un des livres d'Albert Londres qui s'appelle L'homme qui s'évada. Vous fumez? Je suis journaliste. Je sais qui vous êtes et ce que vous avez fait pour moi. Merci. Comment trouvez-vous la citronnade de ma femme? Je
suis venu en Guyane faire un reportage sur le bain colonial. Je ne vois pas ce que ça a de drôle. C'est une question de point de vue. J'aimerais donner la parole aux forçats, connaître leurs remarques, leurs doléances. Vous avez parlé à qui ? J'ai déjà recueilli quelques témoignages. Bon, je ne suis pas entièrement satisfait. On a tourné à Cuba et... Et j'étais, c'est un personnage fort, un personnage complètement serré, c'était un vrai rôle, comme ça, une puissance, donc une belle aventure aussi. J'imagine que ça n'est pas votre rôle. Est-ce que vous aimeriez que votre fils soit comédien ? Mon fils est fils de comédienne et comédien, donc il est vraiment tombé dedans, là, pour le coup. Mais heureusement, parce qu'il a quand même été sur les tournages, et puis là, il m'a vu aussi, il me voit. Marné quand même, avec, parce que là, on parle des choses qui ont été faites, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites ou qui sont à faire encore. Et des moments où on écrit sur le sable, où tout s'efface, où ce métier a un pouvoir d'amnésie extraordinaire, on me disait quand j'étais gamin, tu verras, c'est dur. Je dis, ouais, c'est ça. Bon, alors, avec l'énergie de mes 20 ans, de mes 30 ans, ça allait, on dit. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, on ne peut pas rester comme ça toujours à travers la subjectivité des autres. Il faut qu'on ait envie de moi. Ça veut dire quoi d'être là, assis sur son canapé avec son téléphone en disant « Qui va avoir envie de moi ?» À 50 ans, c'est pathétique quand même. C'est quand même ridicule. Donc il faut avoir une énergie qui vous permette d'aller plus loin et soit de fabriquer. C'est pour ça qu'il y a pas mal de Zabou, Breitman, ou qui passe à la mise en scène, ou Nicole Garcia, ou des gens comme ça. Bon, je trouve ça très bien, mais donc. C'est vrai que mon fils, heureusement, il a compris que le métier d'acteur, c'est un métier de dépendance. On est tout le temps dans la dépendance. Rien n'est quantitatif. Oui, on a évoqué un parcours, une carrière. Et alors, déjà, les jeunes cinéastes d'aujourd'hui qui ont 30 ans ne connaissent pas tous ces films. Et puis, même si on cumule des expériences, elles font un tout, oui, en regardant derrière, on se dit oui, ça ressemble à quelque chose, mais à chaque fois, ce sont c'est fait au coup par coup, ce sont parfois des coups d'épée dans l'eau. Bon, heureusement, mon fils, lui, il fait une école de cinéma, quand même, mais il fait une école qui s'appelle l'ECAR, qui est une école de formation pour un BTS de technicien d'image, c'est-à-dire qu'il veut être cadreur, chef opérateur, il veut maîtriser le problème, la question. Ça, c'est un vrai métier d'avenir. Ça, là.